Alors, le mot progrès, oui. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui caractérise le progrès? La nouveauté. Ou l'avancement de quelque chose. D'accord. Progrès, alors, il y a le mot progressif, il y a le mot. Progression. Progression. Progresse. Et, excuse-moi, alors, est-ce que tu connais le contraire de progrès? Avec le même gré. Le contraire de progrès. Mais qui appartient au même mot. Ouais. Il y a progrès et le contraire de progrès, c'est. Le contraire de progression, si tu veux, c'est quoi? Pro. Non, le contraire de progression, c'est pas le même. Ça commence pas par pro. Ah non. Des progrès, non, ça se dit pas. Mais... Comment ça se dit? Quand on revient en arrière, comment on peut. Quand on dit à quelqu'un, ah ben, t'es plutôt en train de décliner que d'avancer. Comment on dit, tu régresses. Tu régresses. Régression. Régression. Progression, régression. Alors. Les grandes gueules, elles ont fait que le gueule. Par exemple, si on prend l'été, la saison de l'été. Est-ce qu'il y a un progrès la saison de l'été? Est-ce qu'il y a du progrès dans la saison de l'été? Ou du printemps, dans n'importe quelle saison. Du progrès en ce moment, non, ça plutôt ça régresse. C'est l'actualité. Est-ce que l'été progresse? L'été, il a commencé au mois de juin. Est-ce qu'il y a une progression de l'été pendant la période des 3 mois de l'été? Alors oui, si c'est 3 mois de l'été, oui, il fait rien. Non, mais 3 mois de l'été, c'est pas vous qui l'avez inventé, il y a 3 mois de l'été. Oui. Le mois de juin, il a fait beau, juillet, c'était, puis le mois de juin. Non, mais je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui en 2023, d'accord. Je parle d'une manière générale. L'hiver, ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui c'est que la progression en hiver? Qu'est-ce que c'est que la progression en été, etc. Bah, l'été est chaud, l'hiver c'est froid. Non, la progression en été, en hiver. Pas l'opposition entre l'été et l'hiver. En quoi l'hiver progresse-t-il? De son commencement à sa fin. Il y a un moment où l'hiver commence, oui. Et là, le moment s'arrête. Non? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il commençait et le moment où il s'arrête? Ah, le soleil se lève et le soleil se lève. Non, non, ça c'est le jour, c'est les jours. Ça c'est les jours. Je parle pas de ça, je parle des effets au niveau de du climat, de la température, etc. Bah, il fait chaud, il y a le soleil. On parle pas de ça. Non, comment? Et où est la progression? Les chaleurs sont moins fortes. Quand? En été, actuellement. On ne parle pas de par actuellement, on ne te parle pas d'actuellement, on te parle de manière générale. En été, qu'est-ce qui se passe entre le début de l'été et la fin de l'été? Au début de l'hiver et la fin de l'hiver. Les chaleurs. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a la progression? La température. Alors qu'est-ce qu'il y a avec la température? La température est plus chaude en été. Et... Non! Pendant l'été, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je ne parle pas d'opposition l'été à l'hiver, je te demande qu'est-ce qui se passe en été. Il fait chaud. Non, qu'est-ce qui progresse en été? Ah, le jour est plus long alors. Non, non, qu'est-ce qui progresse pendant l'été? On a l'impression que tu es un martien. Non, c'est le combat de la guerre. Non, mais justement, tu as un problème. Je ne vais pas te donner la réponse, ça serait trop facile. Bah, moi je te dis que d'abord ce qu'on avait dit, quoi. En été, les jours sont plus longs et puis en hiver, les jours sont plus courts. Non, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qui progresse entre le 21 juin et le 21 septembre? La période de l'été. Mais qu'est-ce qui progresse? Qu'est-ce qui se passe pendant la période de l'été? L'été, c'est pas un seul truc. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois? Il y a des chaleurs et des oranges. Non, mais qu'est-ce qui va se progresser? Qu'est-ce qui va s'accentuer? Qu'est-ce qui va s'accélérer? Qu'est-ce qui va augmenter?
dis, moi. La chaleur, bordel! Ben, je te l'ai dit, tu m'as dit donc. La chaleur va augmenter! Je te l'avais dit. Non! La chaleur, il y a des chaleurs. Non! Tu m'as dit donc. Je t'ai dit que la chaleur va augmenter pendant l'été! Pendant l'été! Entre le début de l'été et la fin de l'été, il y aura un moment où il y aura une chaleur maximale. Chien! Tu rajoutes chaleur maximale. Non! Chaleur non, mais t'as pas dit que c'était. T'as pas dit qu'il y avait une progression de la chaleur? Si. Non! Bah, c'est enregistré, mon vieux, c'est pas la peine de discuter. Voilà. Dans l'hiver, bah, il n'y a pas de chaleur, c'est le froid. Alors qu'est-ce qu'il y a comme progression dans l'hiver? Alors là, il y a une descendance du barreau de température. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme progression en hiver? Le froid. Et alors qu'est-ce qu'il a le froid? La température descend plus froid. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme progression? Tu comprends pas le français ou quoi? Tu comprends même pas le français? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui progresse en hiver? La température, le froid. Le... Mais qu'est-ce qu'il a comme progression? La température maximale qui descend en froid, en plus zéro. Quoi. Le baromètre descend. C'est quoi, attends, est-ce que tu en français? Le baromètre, il y a une mercure là, voilà. La température, elle descend. Oui, elle descend, la température. Elle descend en dessous de zéro, c'est-à-dire elle descend par rapport à quel moment elle descend? L'hiver. En hiver, mais pendant la. Tu parles de ce qui la se passe. La période de l'hiver. Je te parle de ce qui change pendant l'hiver. Je vais te dire la température. Qu'est-ce qui change pendant l'hiver, au cours de l'hiver? Ce qui change, il y a des pluies, il y a la neige. Non a... Bon, c'est pas ça. On t'a donné l'exemple de l'été, t'es pas capable de le reporter en hiver. Je viens de te dire, c'est la température, c'est la température qui dégraisse, qui descend. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de chaleur. C'est quoi? C'est ça l'hiver? Oui. Je parle de ce qui va se passer pendant l'hiver. Je viens de te dire, c'est la température. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant l'hiver? Elle chute, la température. Alors, elle va chuter à quel moment? De quelle façon? Progressif. Elle descend. Voilà. La température va descendre. Progressivement. Progressivement. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Ouais, mais je veux dire, la chaleur pendant l'été va augmenter. Et en hiver, le froid va augmenter. C'est ça. Donc, c'est pas l'hiver tout court. Non. Non, mais ne dis pas que tu l'as dit, tu l'as même pas pensé. Quand même. Non, mais je suis désolé. Bon, moi, je voulais que tu me répondes. En hiver, il fait de plus en plus froid. De plus en plus froid. Ah. Et en été, il fait de plus en plus, plus chaud. Voilà, ça n'a pas été dit. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi là, tu... On ne sait pas pourquoi. Non, j'ai oublié de dire, je t'ai simplement dit que ah non, mais c'était, les c'est... températures... On a parlé de progression. Ouais. Progression, ça veut dire de plus en plus, un progrès. Plus en plus. C'est vrai qu'ils avaient... Tu as raison, là, parce qu'ils ont parlé dans les informations. Futur. Non, on ne va pas parler d'accord. De... On ne parle pas de ça. On dit que pendant l'été, dans n'importe quel été... Au début de l'été, il ne fait pas encore très chaud, ouais. Et petit à petit, il fait de plus en plus chaud. Voilà ce qu'on voulait que tu dises. D'accord, merci Jean.